Et bon, je présente tous ici Morgan von Bredan, et on se retrouve pour un épisode de Neo Flash, incroyable, sur Raft Wars. La guerre des radeaux, dans laquelle on se lance immédiatement, avec une histoire incroyable. Voici Simon, un petit gars vachement sympa, il est en train de bien s'amuser dans un après-midi à la plage. Et il s'apprête à faire une découverte incroyable qui va changer sa vie à jamais. De l'or massif! De l'or massif? Et des putains de diamants! On est riches! La bonne nouvelle a bien vite été propagée par les journaux. Le trader est à moi! Allez, il est temps de t'associer à ton frère et de défendre ce qui t'appartient de droit. Et c'est... moche pour commencer. C'est un jeu de type artillerie, voilà. Donc je vise de haut en bas, je tire plus ou moins fort. Et je tabasse ces pirates. Qui eux me tirent dessus à balles réelles, hein. Moi je tire des balles de tennis, ce sont là. Tiens! BOUM! 74 points de vie. Bon, c'est le premier niveau, hein. Ils tirent comme de la merde. Ils sont pas visés. Voilà. Et selon mon score, donc vous voyez, on voit niveau complété 500 crédits. J'ai tiré 3 tirs sur un par, comme au golf. Ce qui me donne... donc j'ai gagné avec vachement moins de tirs en gros que ce qui était prévu, ce qui fait que je gagne encore 1200 crédits, 1200 de pognon. Et encore un peu de pognon supplémentaire selon le temps que ça m'a pris, 42 secondes. Total 2000 balles! 2000 balles! Avec ces 2000 balles, je peux faire plein de trucs. Je peux acheter des missiles, des grenades, et je peux améliorer mon radeau. Ce que je vais immédiatement faire, parce que ce petit chien est inutile, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si le bébé, si moi, ou si les frères se prend un boulet dans la tronche, ils vont être propulsés vers l'arrière. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va se cogner dans le chien, et du coup, on va pas tomber. Donc là, des vikings totalement historiques, hein. Oh, c'était calculé. C'était totalement calculé. Allez, viens, si tu lances à la main, poum. Ça c'est fait. Il faut faire gaffe dans ce jeu à pas trop bouger sa souris après avoir tiré. Parce que comme ça on peut retrouver exactement. Exactement son angle précédent. Qui tire une hache un peu plus fort cette fois. Oui! Voilà, donc là vous voyez. Grand frère a été propulsé en arrière. Il s'est cogné sur moi et je me suis cogné sur le chien. Le chien est tombé à la flotte. Mais s'il avait pas été là, ce serait moi qui serais tombé à la flotte. Et ça c'est triste. Dans la tronche, ça devrait l'achever. Nickel. Je vais avoir encore un bon score là. 100 balles, ouais, 4 sur 6, ouais, 4 sur 6, pas autant. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, ça doit être 300 balles si j'ai gagné au niveau du par, et encore 300 balles supplémentaires par balle de boue. Et je pourrais encore améliorer le radeau, pour que ce soit encore plus solide. Et quoi, il y a un... enfin, un black. On va faire ça, et je vais acheter un missile. J'aime pas les grenades, parce qu'elles rebondissent un peu avant d'exploser. Donc là, les deux enfoirés, là. Oula. Ou l'hippopotame. Missile. Bon, c'était pas lui que je visais, mais ça va faire. Heureusement que j'ai un plus gros radeau parce que le requin là, le requin qui essaie de me la mettre en l'air.
Ah voilà, là si j'avais eu un missile, je suis sûr que le gars derrière ça l'aurait éjecté. Et j'ai fait la connerie, j'ai bougé ma souris. Alors que c'est un tir fabulistique. Bon, j'ai réussi à le reproduire. Il faudra malheureusement encore un autre tir pour gagner 300 balles dans mon fion. Et on va aller faire vite. Hop là! Et comme ça on a le bonus de temps. Mon bonus de temps 200 balles. Et mon calcul de points bonus par rapport au parc était exact. Alors là il y a de la terre, donc on va acheter une grenade. Et un missile. C'est des gamins? Pas d'hippopotame. Nos voisins! C'est le voisin, c'est où? Une grenade! Ah. Alors c'est... Voilà pourquoi je n'ai pas les grenades. Il tire dessus, là, le missile. Missile! Ouh! Alors le missile, à bout portant... Ah! Il me semblait qu'à bout portant, le missile one-shotait, je me trompais. Alors c'était peut-être pas tout à fait à... Enfin pas à bout portant, mais en tir direct. Mais c'était peut-être pas tout à fait en tir direct. Ouh! On va toucher deux. Pas mal ça. Je baisse un peu ma souris. Aïe! Il va me tuer là. Ah non, ouh, mais presque. Tiens, dégage. Ah! Il est solide sur son. Son rebord. Non! Il est mort, plus qu'à buter ses requins. Il faut la jouer un tout petit peu plus fine. Parce qu'il y a toujours le hors-bord qui est sur le chemin. Je vais tirer un peu moins fort, un peu plus haut. Mon cœur. Le talent. Pas mal, pas mal, pas mal. Je peux me lirer mon radeau. Taille maximale. Allez. Une grenade. Il me semble que c'est la taille maximale. Ah non, il me semble qu'il y a encore une taille au-dessus, avec un vieux. Comment ça, avec un vieux, il a vu? Bon, on va essayer de caler cette grenade. Grenade! C'est un échec. J'aime vraiment pas les grenades. On me tire des shurikens, c'est raciste! Aïe! Ah! Ah, ça fait super mal! Oh les shurikens! Salaud! Oh ça l'achève même pas, je suis vert. Aouh! Hop là. En fait ce qui se passe c'est que je prépare mon tir suivant à l'avance pendant qu'eux font leur, ce qui fait que je peux tirer très vite. Aïe! Et là, ça va poser problème parce qu'ils vont buter mes deux mecs. Adieu. Parce qu'il est mort. Et si lui ne me tue pas, je devrais gagner. Bon, bah. Aïe, 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 aïe. C'est ça, vente-toi. Bon, essaye. Oh! On se tire! On se tire! Aïe! On lui fait le même. Même que tout à l'heure. Ah, mais ça c'était magnifique, j'en ai eu deux! Oh là 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 là, je veux me faire un pognon! 1200 balles. Oh oh oh. Ah non, ça, le radeau avec le vieux. Ça doit être dans le 2. Ouais, missile. Ah, je peux pas en avoir plus de 2 à la fois. Bon bah, grenade. Encore des pirates. Encore un hippopotame.
Non, mais c'est pour viser. Vous voyez, eux, ils font pareil. Ça, c'est ce qu'on a envie de voir, ça. Aïe, 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 aïe. Revenge. Oui, oui, on va se venger. C'est pas un souci. D'accord. Aïe, 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 aïe. Non, ne meurs pas. Il devrait survivre. Ouh. Voilà. Donc en théorie, celui-là il peut se faire avec deux balles du coup, mais j'en ai utilisé quatre, c'est pour leur donner une chance. Puis de toute façon, j'ai plus rien à... j'ai déjà plus rien à faire de mon argent. Ah oui, les Givaros. Les sauvages. Le racisme. Givaros, eux, tiens, des flèches explosives, c'est Rambo. Non, 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 non. Reviens sur le bateau. Oh, il survit. Aïe, 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 joli tir. Je vais voir qui meurt en premier, évidemment. Et les deux autres, on va les achever au missile. C'est eux ne m'achèvent pas en premier. Ouf. J'aime autant que ce soit moi qui meurs plutôt que le grand frère, parce que comme ça encule pas trop mon angotir. Simulator alligator. Encore des vikings. Là, j'ouvre directement avec un missile, j'en ai rien à foutre. Missile ! Voilà. C'est pas exactement comme ça que je voulais m'en servir, mais c'est comme ça que je m'en suis servi. Aïe. Ça fait pas très mal, ça va. Missile ! Oh ! Allez, bien le bonjour chez vous. Ah, voilà, moi, ça, j'avais raison. Tire direct de missile, c'est one shot. Boing. Oh, il survit. Oh, le point de vie. Ok, dans ta gueule, le vieux. Plus qu'à mettre... Plus qu'à mettre la même, en fait. Parce que, pour autant que je sache, pour les trajectoires, il n'y a pas d'aléatoire. Hein. C'est vraiment... Si je fais le même tir, même trajectoire. Oh, si j'avais ce... Bon, c'est pas grave, comme j'ai dit, j'ai... Voilà, j'ai utilisé deux missiles, ça coûte 1000, j'ai gagné 1150, rentable. Et j'ai encore 2800 crédits. Allez, gangster, moi j'ouvre avec les missiles, j'en ai rien à foutre. Missile! Qu'est-ce qu'il tire? Ah! C'était une carapace de tortue avec... un bâton de dynamite dedans. Ah! Mais waouh! Ah! Mais ils font beaucoup trop mal, ce coup. Ah! Et moi je rate mes tirs! Il faut pas! Ok. Donc il faut que je trouve le moyen de gagner en 3 tirs, parce que eux ils gagnent en 3 tirs. Ou il faut que je compte sur la chance d'une IA qui ferait n'importe quoi. J'ai pris le missile. Missile! Ok, ça fait un mec en moins. Bon, j'ai eu de la chance, c'était pas un tir direct. Ça a pas fait... Ça a vraiment pas fait très mal. Ah! Mon missile!
Non. Oh le tir direct. Oh non, il tombe à la flotte. J'ai déjà plus personne. Je ne sais pas encore, mais j'ai déjà perdu. Enfin si, je sais déjà, puisque je le dis. Il va faire un tir direct. Heureusement, les bateaux ne peuvent pas couler. Fluctue à tenir, merde, j'ai les enfants. Ouais, c'est ça, continue de taper la proue. S'il me tue pas avec ce tir-là, je peux gagner. Ah là 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 là, la première fois que je rate le par, ça c'est triste. Qu'est-ce que... Papa et maman! Grenade! Oh! Oh, c'est bon ça! Oh. Elle était pas mal cette grenade. Ouch! Ah, ils utilisent les mêmes munitions que les bandits! Les mêmes que les mafieux, salauds! Missile! Bon, ceci dit, oui, moi je leur tire dessus au missile. Peut-être que... quelque part... je suis pas en droit de me plaindre. Ouch! Si, je vais me plaindre. Aïe, 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 aïe. Je vais me plaindre parce que c'est plein de bras, c'est pas juste! Missile! Oh! Tire direct. Oula, il a tiré trop haut. Non, aïe, aïe, il a bien tiré. Survie, survie, résiste. Je l'ai eu. Il est mort. GG. Papa, maman, fiston. Après avoir nettoyé les côtes, Simon est enfin réuni avec ses parents. Quand tout à coup... Le trésor est à nous! What the fuck? Quel est le fuck? Heureusement, papa et maman se sont retournés contre nous! Ils veulent également le trésor de Simon! Ils ont capturé notre pote! Ah, radeau de base. Ah, et j'ai encore une grenade. Ah. Décidément, je sais pas me servir des grenades. C'est pas grave, on survit. Oh non! Oh, qu'est-ce qui vise bien? Je fais tout prix, si elle me touche, je suis mort. J'ai de la chance, maman, c'est pas visé. Moi si. Hop là. Victoire. Victoire totale. Bien joué. Après avoir repoussé tous les méchants et résisté à l'avarice de ses parents, Simon peut enfin déterrer de l'or en paix. Voilà, et c'est tout. C'est le jeu. Et... Bah, je vais faire une vidéo sur le 2, évidemment.
Donc, au revoir à tous, et à la prochaine.